Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 24 février de la MRC de la Vallée du Richelieu. Je souhaite un beau bonjour à tous mes collègues ainsi que M. Bradley, qui est le promaire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Bienvenue. Merci. Donc, nous allons commencer avec l'ouverture de la séance. Et puis, c'est déjà au point 2, l'ouverture de l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Donc, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, nous reporterions le point 5.2 et puis on l'adopterait tel qu'il a été rédigé pour les autres points. Et si vous êtes d'accord, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Dulac et M. Bousquet. Merci. Donc, nous passons au point 3, intervention de l'assistance. Maître Amel, est-ce que vous avez eu des questions à l'heure qu'on se parle? Oui, en fait, on en a reçu deux là, à l'heure actuelle. Donc, je vais commencer par la première qui vient de Madame Carole Blouin. Donc, ça va comme suit. L'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire a déposé ces jours derniers un mémoire mettant en valeur les arguments nécessaires démontrant la nécessité d'obtenir un statut particulier pour la zone A16 située près du chemin de la montagne, secteur patrimonial exceptionnel de la réserve de la biosphère de l'UNESCO. On le sait tous, les Montérygiennes marquent le paysage de notre région et même du Grand Montréal. Après avoir pris connaissance de ce document riche en informations, arguments et pistes de travail, que comptez-vous faire pour répondre à cette attente appuyée par une pétition signée par un grand nombre de citoyens? Merci. Demain, il sera trop tard pour agir. Ne brisons pas la beauté du monde. Merci, Mme Blouin, pour cette question. En fait, selon nos règlements à la MRC, ces modifications-là que vous demandez doit être demandé par une ville ou une municipalité. Donc, nous n'avons pas eu de telle demande de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, nous pourrons traiter, dans le fond, une fois que la demande va avoir été faite par la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, je vous remercie pour votre question. Nous sommes rendus à la deuxième question, Maître Amel. La deuxième question va comme suit. Elle vient de Francis Beauregard. Donc, suite à la sortie du rapport du BAPE, du BAP, sur la gestion des résidus ultimes à la fin du mois de janvier et à la diffusion de l'épisode d'enquête le 3 février dernier sur l'envers du recyclage, la MRC compte-t-elle revoir son plan de gestion des matières résiduelles pour éviter d'expédier nos déchets outre-mer? Compte-t-elle s'investir davantage pour favoriser la réduction de déchets à la source sur son territoire? Si oui, comment? Oui, en fait, c'est une vraie question en développement. Merci, M. Beauregard, pour cette question. En fait, la MRC a déjà entrepris des démarches. Si vous vous souvenez bien, en janvier 2021, la MRC a réduit les collectes. Donc, nous sommes rendus aux 3 semaines. Et puis aussi, il y a eu l'arrivée de l'éco-centre qui est arrivé à la fin de l'automne. Donc, vous voyez, nous avons vraiment à cœur justement tout ce qui est la gestion des matières résiduelles et tout son ensemble. Oui, nous portons à notre attention pour voir à investir le plus de temps et de toute notre volonté pour la réduction à la source, comme vous avez mentionné, là, qu'on le souhaite vraiment comme particulièrement pour y arriver, bien, il faut y aller ensemble. Donc, et voilà, oui. Est-ce que nous avons reçu d'autres questions, Maître Amel? Non, pas à l'heure actuelle. Donc, je vous remercie. Nous allons passer au point 4.1, pour les procès-verbaux, 4.1.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2022. Donc, chers collègues, vous avez bien regardé le procès-verbal, s'il est tel que vous l'avez vécu. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Marquez. Je seconde. Et M. Guertin. Merci. Donc, nous passons au point 5.1. C'est l'entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie 2022-2025, adhésion et participation. Donc, celui-ci.
Donc, si les membres du conseil, vous êtes en accord, en fait, c'est que on sait que la table de concertation régionale de la Montérégie joue un rôle important pour la mise en place et le soutien des ententes sectorielles de développement au sein de la région. Et le succès de la démarche de concertation entamée avec l'entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie 2018-2022 et la volonté des 12 MRC de la Montérégie, de l'agglomération de Longueuil, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la TCRM. Quand on parle de la TCRM, on parle de la table de concertation régionale de la Montérégie, à signer une nouvelle entente pour une durée de 3 ans et à bonifier les montants disponibles. Donc, il est proposé que les MRC de la Montérégie et l'agglomération de Longueuil s'engagent à contribuer pour un montant de 195 000 sur 3 ans, soit un maximum de 26 % du montant total pour la mise en œuvre de l'entente. Donc, si vous êtes d'accord, l'entente sectorielle, on adhérait à cette entente sectorielle et puis ce serait pour de 2022 à 2025. On désignerait la table de concertation régionale de la Montérégie en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de la dite entente. Et si vous le proposez et appuyez, on pourrait confirmer notre participation ainsi pour affecter les montants suivants provenant du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. Donc, pour l'année 2022, 2023, 2024, on donnerait 5 000 $ pour chaque année. Et puis, si vous êtes toujours en accord, bien, vous autoriseriez moi-même, Marilyn Nadeau, préfète, à signer au nom de la MRC, ainsi que Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à siéger au comité de gestion de l'entente. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Labbé? Je vois Madame Viau. Merci. Labbé. Madame. Donc, 5.2 est reporté. Nous allons au point 6.1. C'est une résolution de concordance relative à un emprunt par billet au montant de 841 200. Et puis, je vais demander la collaboration à Maître Amel pour ce point. Oui, tout à fait. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt, le numéro 01-05 et pour un montant indiqué de 841 200 $, la MRC souhaite emprunter par billet pour ce montant total-là et qui serait réalisé le 3 mars 2022. Donc, il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Donc, il serait préposé et devra être appuyé et résolu que le règlement d'emprunt qui est indiqué, donc le 0105 du préambule, soit financé par billet conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 3 mars 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 mars et le 3 septembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et greffière trésorière à ce moment-ci. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, 2023, 159 900 $. 2024, 163 900. 2025, 168 200. 2026, 172 400. Et pour 2027, 176 800. Donc, à payer en 2027. Et 2027, à renouveler, mais c'est 0 $. Donc, voilà la proposition. Merci, Maître Amel. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oui. J'ai vu M. Dulac et Mme Villeneuve. Je vous remercie. Excusez-moi, hein, je vais tout de suite avec quand je vois. Donc, on poursuit au point 6.2. Maître Amel, est-ce que vous voulez poursuivre? Oui, sans problème. Donc, attendu que la MRC a demandé par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres empruntés émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 3 mars au montant de 841 200 $. Attendu que la date d'ouverture des soumissions pour l'émission de billets ci-dessus désignée était aujourd'hui, donc le 24 février 2022 à 10 h ce matin au ministère des Finances du Québec. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres pour la vente d'émissions de billets, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article du Code municipal 1066 et qu'il y avait une résolution qui avait été prise à la dernière séance en ce sens pour donner mandat au ministère. Les 3 soumissions reçues viennent de financières Banque nationale incorporée, Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, Banque royale du Canada,
Pour la financière Banque nationale incorporée, le prix là, total, c'est 99,006000 du 100 $. Donc, le coût réel de 2,78 878 %. Pour Desjardins Bel-Oeil, donc le prix, ben, ça revient à 100 % du 100 $ et le coût réel est de 2,95 %. Et le prix pour la Banque royale du Canada est de 100 également pour 100 $, coût réel 2,97 du taux. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est donc la plus avantageuse. Donc, il devrait être proposé et appuyé et résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie de notre résolution et que la MRC accepte l'offre que lui fait la financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 3 mars 2022 au montant de 841 200 effectué en vertu du règlement d'emprunt qu'on a nommé. Donc, les billets sont émis au prix de 99,00600 pour chaque 100 $. Donc, valeur nominale de billets, échéance série, 5 ans. Donc, les billets capital et intérêt, soit payables, soit par chèque à l'ordre du détenteur enregistré par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci, selon le cas. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître Amel. Les Donc, deux. suite à ces informations, oui, Je monsieur. propose, Madame la préfète. Merci. Monsieur Tisdale, vous appuyez? Parfait, merci. Donc, nous poursuivons avec le point 6.3, bordereau des comptes à payer. Donc, pour le premier, ben, en fait, on va débuter avec les services d'évaluation des municipalités régies par le Code. Donc, le montant est de 436 849 et 16 sous. Puis on va l'adopter en bloc, collègues. S'il y a quelque chose, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème. L'autre montant est pour les collectes des matières recyclables. Donc, c'est le montant de 31 861 et 58 sous. L'autre dépense, c'est pour les matières ultimes. Donc, c'est pour 1 228 288 et 70 sous. L'autre point pour les dépenses, c'est concernant l'éco-centre régional. Donc, c'est 1 259 451 et 87 sous. Par la suite, c'est la dépense concernant la collecte des matières organiques. Donc, c'est le montant de 27 951 et 43 sous. L'autre dépense, c'est concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud. Donc, c'est au montant de 630 101 et 88 sous. L'autre dépense est celle qui est générale, assumée par l'Office général d'habitation de la Vallée du Richelieu. Donc, régional d'habitation, c'est au montant de 23 715 et 46 sous. Donc, pour la dépense générale assumée par l'ensemble des municipalités, le montant s'élève à 521 000 et 3 $ et 12 sous. Donc, suite à toutes ces informations, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur Lessard. Et puis Monsieur Chalifoux. Merci. C'est bon? Oui, concernant les C'est délégations. exactement. Donc, monsieur, pour Saint-Antoine, ça ne fonctionne pas. On ne peut appuyer, voilà. C'est concernant, oui, parce Et que... même pour Saint-Basile, en fait, il faudrait que ce soit toutes les municipalités régies par le code municipal, à l'exception de Saint-Antoine et Saint-Denis. Donc, Voilà. pourquoi monsieur Tisdale puis madame Villeneuve? Donc, vous comprenez, messieurs, je vais vous garder en banque pour les prochains points. C'est concernant les compétences qui ont été déclarées à la MRC. C'est bon. Nous poursuivons au point 8, aménagement du territoire et mobilité. 8.1, c'est une résolution de contrôle intérimaire assurant la priorisation de conservation d'un milieu d'intérêt écologique à Carignan. Je vais demander la collaboration de Monsieur Patrick Marquez, maire de Carignan. Oui, bonsoir à tous. Donc, il y a une résolution qui a été produite par la ville de Carignan en décembre 2021 qui demande l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire pour interdire toute nouvelle intervention dans une zone d'intérêt écologique qui est identifiée au plan de zonage
Et puis, c'est la zone MN2U352 et les affectations qui sont correspondantes au choix d'aménagement, c'est conservation 274. Donc, pour bien comprendre, cette zone-là, c'est le sud de la carrière des Ourdis où il y aurait un projet de développement qui est prévu et qui demande, compte tenu que présentement la MRC est en processus d'adoption d'un plan de conservation des milieux humides, donc il est attendu que l'article 15 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés prévoit qu'une MRC doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire dans une perspective de gestion intégrée de l'eau de tout bassin versant concerné, attendu qu'à l'article 15.5 de cette loi prévoit qu'une MRC veille à s'assurer de la compatibilité de son choix d'aménagement et développement avec le plan régional et que celle-ci propose toute modification utile au choix d'aménagement en vue d'assurer une meilleure harmonisation. Attendu qu'un corridor forestier de très grande valeur écologique est déjà identifié et reconnu au chemin d'aménagement par l'affectation conservation et que son niveau de protection pourrait être rehaussé à la lumière des récentes études réalisées dans le secteur. Attendu qu'une partie de ce corridor identifié en tant que corridor forestier du Mont-Saint-Bruno est un maillon essentiel d'un projet de conservation écologique qui est parrainé par Nature Action Québec. Et attendu que malgré le statut de protection d'une certaine partie de ce corridor, des interventions pourraient être incompatibles avec la priorisation de conservation écologique et s'exercer dans cet écosystème très vulnérable. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est prévenir des interventions qui seraient incompatibles et susceptibles de compromettre l'intégrité écologique de ce secteur. Donc, l'MRC a reçu la résolution de la ville de Carignan qui a été faite en décembre. Donc, je propose, il est résolu que la présente contrôle intérimaire s'applique sur le territoire délimité à la zone que j'ai nommée, c'est la zone MN2U352, donc le sud de la carrière des Ourdis, où il y aurait des contraintes qui seraient les suivantes. Donc, sont interdites les interventions, sauf pour des faits municipaux. Donc, j'en fais une lecture. Donc, c'est réaliser une opération cadastrale, remblayer, déblayer, décaper, niveler de toute matière sur le site, abattre des arbres, installer une construction, stationner des véhicules, enlever ou élever des animaux, puis effectuer des interventions incompatibles avec les priorités de conservation. Donc, c'est une interdiction qui peut être levée s'il y a un certificat de conformité qui serait émis par un fonctionnaire de la MRC. Cette intervention peut être réalisé pour des fins municipales. Et si jamais il y avait une personne qui désirait faire une intervention, il doit préalablement avoir un certificat de conformité émis par la MRC. Et à défaut d'avoir ce certificat de conformité, il y a une infraction qui serait commise ou susceptible de recevoir des pénalités qui sont prescrites dans le règlement. Donc, là-dessus, j'en fais la proposition. Et puis, juste une dernière mention, parce que le texte est assez long. Donc, la résolution rentre en vigueur dès aujourd'hui, le 24 février, et ce sera son effet s'il n'est pas abrogé dans les 90 jours. J'aimerais appuyer mon voisin de Carignan. Merci. Et en complément, c'est un avis de motion qui doit être fait. Donc, j'ai un avis de motion qui a l'effet que la prochaine assemblée du Conseil de la MRC, il y aura un règlement de contrôle intérimaire qui assurerait la protection de certains qui sera présenté pour adoption pour la zone spécifiée pour Carignan. Parfait. Donc, M. Marquez propose et Mme Labbé appuie. Donc, on y va comme ça. Oui. Donc, merci, M. Marquez. On y va avec le point 8.2. Donc, c'est le plan d'intervention en structure routière locale qu'on nomme PIIRL de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, c'est pour l'adoption. Je vais demander à Maître Amel, si vous voulez bien faire lecture de cette résolution. Merci. Oui, ça fait plaisir. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a pris la décision de réaliser un plan d'intervention des infrastructures routières locales, donc le PIRL, conformément à la résolution numéro 1902-332. Puisque la MRC a effectué à l'interne les étapes 1 à 3, conformément au guide d'élaboration et aux modalités d'application plan d'intervention des infrastructures routières locales du ministère des Transports,
dont la plus récente version avait été diffusée en avril 2021. Attendu que la MRC a adjugé et octroyé le contrat pour la réalisation des étapes 4 à 7 du PIL à un consultant externe, soit Maxum Gestion d'actifs, par un appel d'offres public en conformité aux dispositions du Code municipal ainsi que du règlement de régie interne relatif à la gestion contractuelle de la MRC. Attendu que la firme de Maxum Gestion d'actifs devait réaliser son mandat selon les modalités du ministère des Transports du Québec, et que cette firme a finalisé les étapes 4 à 7 du PIL, telles que mentionnées dans le plan de travail, en respectant l'échéancier qui était visé, que le PIL a été réalisé par la MRC, également en collaboration avec Maxum Gestion d'actifs et les différentes instances municipales, et qu'il y a lieu de procéder à l'adoption du PIL final de la MRC, tel que déposé, et de le transmettre au ministère des Transports pour une approbation finale. Donc, la proposition serait la suivante. Il serait résolu d'adopter le plan d'intervention en infrastructure routière locale de la MRC de la vallée du Richelieu, tel que préparé par Maxum Gestion d'actifs et soumis aux membres du conseil de la MRC, lequel sera ajusté à la suite de validation auprès des municipalités du territoire de la MRC. Également, ce dit plan ajusté sera transmis au ministère des Transports pour approbation finale. Merci beaucoup. Oui, je propose. Parfait, M. Bousquet, je vous remercie. Est-ce que Jeanne appuie? Je peux appuyer. Merci. Donc, M. Bousquet et Mme Lustier, je vous remercie. Donc, nous passons au point 8.3. C'est pour le programme d'aide à la restauration patrimoniale, ajout d'adresse admissible à Saint-Basile-le-Grand. Donc, je vais demander la collaboration de M. Lessard. Oui, merci, Mme Nadeau. Alors, il est entendu que la MRC de la vallée du Richelieu a signé une convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, et ce, en mars 2021. Or, la ville de Saint-Basile-le-Grand a adhéré au sous-volet propriété privée du susdit ministère par la voie d'une résolution transmise à la MRC à l'automne 2021. La ville de Saint-Basile-le-Grand a apporté depuis des modifications à son plan d'implantation et d'intégration architecturale et souhaite ajouter des propriétés dans la liste de celles admissibles au programme indiqué plus tôt. Alors, il est entendu aussi que toute modification au programme doit être soumise et approuvée par le ministère de la Culture et des Communications et ajoutée par avenant à la convention d'aide financière du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, le programme dont je vous parlais de mars 2021. Alors, à cet égard, je propose, Madame la préfète, qu'une demande d'avenant modifiant le programme d'aide à la restauration patrimoniale joint à la convention d'aide financière intervenue entre la MRC de la vallée du Richelieu et le ministère de la Culture et des Communications soit déposée au dit ministère pour l'ajout du dit programme de propriété admissible et soit celle de Saint-Basile-le-Grand. Alors, j'en fais la proposition. Puis-je appuyer? Parfait. Merci, M. Lessard. Puis c'est appuyé par M. Guettet. Merci. Donc, nous allons poursuivre au point 8.4. C'est concernant la réalisation du plan de développement de la zone agricole et je vais demander la collaboration de M. Teasdale. Merci, Mme la préfète. D'abord, une petite mise en contexte. La MRC s'est dotée là, d'un outil de développement de la zone agricole il y a quelques années et la MRC est maintenant rendue à l'étape là, de reviser ce plan, cet outil-là. Et par la même occasion, bien, la MRC désire entreprendre des démarches pour réaliser ce qu'on appelle beaucoup plus un plan de développement de la zone agricole conformément là, au guide d'élaboration qui a été élaboré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, pour faire la réalisation de ce plan de développement de la zone agricole, on va bénéficier d'un budget de 80 000 $, dont 40 000 $ provient d'une subvention du ministère de l'Agriculture
dans le cadre du programme Territoire Priorité Bioalimentaire. Et on va appuyer nos employés de la MRC là, d'une firme externe pour faire ce travail-là. Donc, on a besoin de passer une résolution qui irait comme suit. Donc, attendu que le 14 octobre 2021, le Conseil de la MRC a adopté la résolution 21-10-331 afin d'amorcer la révision de l'outil régional de développement et de la mise en valeur de la zone agricole afin qu'il devienne un plan de développement de la zone agricole selon les exigences du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, attendu qu'il est souhaitable dans le cadre de la réalisation du plan de développement que les ressources de la MRC soient accompagnées de consultants et qu'afin d'octroyer un contrat à cet effet, des démarches devront être effectuées par la MRC auprès d'au moins deux firmes de consultants pour obtenir des prix, et ce, conformément au règlement de régie interne de la MRC. Et attendu qu'afin de mettre ce projet de l'avant, il est opportun que les démarches menant à un accompagnement pour la réalisation du plan de développement soient débutées. Alors, Madame la Préfète, je fais la proposition que les démarches relatives à l'obtention d'un accompagnement externe des ressources de la MRC de la vallée du Richelieu soient entamées dans le cadre de la réalisation du plan de développement de la zone agricole. Merci, M. Tézdin. Oui, j'ai M. Oui. Parfait. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Nous poursuivons au point 8.5. C'est une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial du ministère de la Culture et des Communications. Et je vais demander la collaboration de Mme Villeneuve d'Ottawa Park. Oui, merci, Mme la Préfète. Donc, c'est une résolution qui est en lien avec le projet de bonification de mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, ça va comme suit. Attendu qu'en décembre 2021, le ministère de la Culture et des Communications a lancé un appel à projet caractérisation des immeubles et des secteurs potentiels patrimoniaux pour la réalisation de la phase 1 des inventaires patrimoine bâti selon ses normes. Attendu qu'en juillet 2021, la MRC de la vallée du Richelieu a signé une convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un projet de bonification et de mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti dans le cadre du volet du Fonds Régions et Ruralité. Attendu que ce projet n'inclut pas les étapes exigées par le ministère des Communications et de la Culture pour la phase 1 de la réalisation de l'inventaire du patrimoine bâti. Attendu que l'appel à projet du ministère finance 50 % des coûts du projet pour un maximum de 50 000 $ et que 15 % peuvent provenir du financement déjà accordé par le MAMH pour la réalisation, la bonification et la mise à jour de l'inventaire. Attendu que la contribution de la MRC de la vallée du Richelieu à ce projet doit être de 10 %, donc 5 % en argent. En conséquence, il est proposé d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière pour la phase 1 de l'inventaire du patrimoine bâti à l'appel à projet caractérisation des immeubles et des secteurs patrimoniaux du ministère de la Culture et des Communications pour un montant de 50 000 $ et pour un coût total de projet de 66 670 $. Parfait, donc, j'aimerais merci. En faire la proposition. C'est gentil, merci. Madame Villeneuve et Madame Labbé, parfait. Je vous remercie. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Nous allons poursuivre avec le 8.6 qui concerne l'avis de conformité et règlement d'urbanisme au point 8.6.1 pour la ville de Chambly. Donc, les deux prochains points, je vais céder la parole à Mme Labbé de Chambly. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, pour les deux avis de conformité, donc au point 8.6.1.1, c'est le règlement numéro 2021-1431-09A. Qui modifie le règlement zonage numéro 2020-1431. En fait, c'est afin de modifier les normes de stationnement pour les commerces au centre-ville, de permettre la transformation d'un garage intégré en espace habitable et de retirer la largeur minimale de bâtiments pour les habitations unifamiliales jumelées et contiguës situées sur la rue d'Aignon. Donc, c'est important de comprendre dans ce règlement, donc qui est conforme là, au plan d'aménagement de la MRC,
c'est qu'on vient changer, faire de toutes petites modifications au niveau du centre-ville pour le nombre de cases de stationnement prévues pour les commerces. Puis, on fait, c'est vraiment sur deux secteurs différents. Donc, au niveau de la rue Daigneau, on va permettre aux gens de transformer leur garage en pièce habitable. Donc, voilà, c'est des petits changements au niveau de notre règlement de zonage. Je le propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour m'appuyer? Je vais m'appuyer. Merci beaucoup, Monsieur Martès. Donc, au 8.6.1.2, c'est le règlement numéro 2021-1431-11A qui modifie le règlement de zonage numéro 2020-1431 afin de préciser la superficie maximale de plancher brut de l'espace réservé à la vente pour un usage de commerce régional situé dans la zone C013, de permettre une hauteur de 3 mètres pour une clôture au pourtour du centre de jardin et d'autoriser 7 enseignes sur le mur de façade principale, dont 2 de forme rectangulaire, pour le projet d'agrandissement du commerce Canadian Tire. En fait, ce n'est pas une nouveauté. Le commerce est déjà sur notre territoire, donc il s'agit d'un agrandissement. C'est pour permettre que le tout soit conforme. Ça a bien sûr été étudié par notre comité consultatif d'urbanisme. Ça a obtenu l'aval du conseil et c'est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, je pense que tout y est et je le propose. Je vais appuyer. Merci. Merci beaucoup pour votre collaboration. Donc, on poursuit au point 9.1. 9.1.1, c'est Fonds de développement culturel 2022, comité de sélection. Je vous redonne le micro, Madame Labbé. Oui, vous me le redonnez, il faut que je l'ouvre. Oui, ça part bien. Donc, c'est dans le cadre de la conclusion de l'entente de développement culturel 2021-2023 avec le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, ça prévoit la création d'un fonds de développement culturel et ainsi qu'un comité de sélection. Donc, on doit nommer 3 personnes pour le conseil de la MRC. Les nominations sont de nommer M. Kevin Coghlan, conseiller en développement culturel à titre de représentant du ministère de la Culture et des Communications, Mme Nadine Maltais, directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, à titre de représentante externe issue du milieu culturel, et Mme Nadine Viaud, mairesse de la ville de Belleuil, à titre de membre du conseil de la MRC VR. Donc, c'est vraiment pour former le comité de sélection. Donc, je propose les 3 candidatures nommées. Merci, Mme Labbé. Nous avons un appui. Oui, j'appuie. C'est Gertin. Donc, merci. C'est résolu à l'unanimité. Nous poursuivons au point 9.2, social, 9.2.1. Donc, c'est pour l'Alliance, pour la solidarité. En fait, c'est pour le projet Sécurité alimentaire et tous ensemble contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est suivi et dépôt de 2 projets. Et pour le premier projet, je vais demander la collaboration de M. Marquez pour la sécurité alimentaire, tous ensemble contre le gaspillage alimentaire. Oui, effectivement. Il y a un projet qui a été déposé par la table des partenaires en développement social du bassin de Chambly. Et le projet suivant, sécurité alimentaire, tous ensemble contre le gaspillage alimentaire, qui porte finalement, je vous explique, il y a plusieurs organismes territoires qui reçoivent régulièrement des denrées périssables ou non, en très grande quantité. Et les denrées sont offertes aux autres organismes communautaires, mais il y a un manque de ressources humaines et d'infrastructures nécessaires au transport de ces aliments. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de pertes. Donc, le projet qui est soumis souhaite mettre en place la logistique nécessaire afin de permettre le transport et le partage des denrées sur tout le territoire et ultimement offrir celles-ci aux personnes vulnérables de notre milieu. Donc, j'en fais la proposition d'approuver le projet Tous ensemble contre le gaspillage alimentaire et de recommander à la table de concertation régionale de la Montérégie, laquelle répond aux objectifs du plan d'action d'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, territoire de la MRC, vallée du Richelieu. Merci, monsieur. Vas-y. Donc, monsieur Marquez et madame Labbé, c'est bon. Madame Labbé, est-ce que vous voulez poursuivre avec le point transport, offre de transport à la demande pour le point 9.2.1.2? J'avais pas ouvert le truc, je le fais à l'instant. Donc, le deuxième projet, c'est le projet transport offre à la demande, donc à la suite des démarches entreprises en février 2020 et mars 2021. Donc, il y a une mise en place d'une table de transport de la MRC de Rouville
et la reprise du service d'accès transport aux villes. Donc, la communauté souhaite faire un portrait exhaustif des solutions déjà en place, permettre l'arrimage entre tous les services existants et surtout offrir aux citoyens un nouveau service complémentaire. Donc, j'aimerais proposer que le conseil approuve le projet. Attendez, ça me remet encore le projet tout contre le gaspillage. Donc, le projet offre de transport à la demande et de le recommander à la table de concertation régionale de la Montérégie, lequel répond aux objectifs du plan d'action de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Je l'appuie. Et voilà. Donc, Madame l'abbé et Monsieur Marquez, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre au point 10, environnement, 10.1, fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. Pour une entente, je vais demander la collaboration de Monsieur Dulac. Avec plaisir, Madame la préfète. En fait, la MRC de la vallée du Richelieu a des besoins ponctuels en matière de services techniques et d'ingénierie, notamment pour l'opération de l'écocentre régional. Donc, la MRC pourra être appelée à devoir produire des devis techniques pour des appels d'offres. Donc, elle requiert le soutien de la Fédération québécoise des municipalités qui a mis en place un service d'ingénierie pour aider les municipalités dans ce domaine. Alors, voilà, il est donc proposé d'autoriser la MRC de la vallée du Richelieu à requérir aux besoins au service d'ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités. L'ensemble des membres du conseil ont pu prendre connaissance de la dite entente et il est résolu d'autoriser Madame la préfète, Marilyn Nadeau, ainsi que notre directrice générale, Madame Davignon, à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. J'en fais donc la proposition. J'appuie M. Dulac. Parfait, M. Tézé. Donc, merci, messieurs. Donc, suite à cette résolution, nous allons poursuivre au 10.2, éco-centre régional. Au point 10.2.1, service de collecte, transport et traitement par compostage des résidus verts pour l'année 2022, octroi d'un contrat de gré à gré. Et je vais demander la collaboration de M. Guertin. Merci, Mme la préfète. Donc, alors, c'est une entente de gré à gré et la résolution se lit comme suit. Donc, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu a entrepris la réalisation d'un projet d'éco-centre régional dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, attendu que l'opération de l'éco-centre a débuté le 6 novembre 2021, attendu que cet éco-centre est un point de dépôt de résidus verts pour les citoyennes et citoyens des municipalités participantes, tandis qu'en vue d'octroyer un contrat pour assurer les services de collecte de transport et de traitement par compostage des résidus verts, l'éco-centre régional pour l'année 2022, des soumissions ont été demandées à deux entreprises de la Montérégie spécialisées dans la collecte, le transport et le traitement de matières résiduelles, tandis que ces demandes de prix ont été effectuées en conformité à des dispositions relatives à l'octroi de contrats de gré à gré prévus au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion des à la gestion contractuelle de la MRC de la vallée du Richelieu et au Code municipal du Québec, attendu que la MRC a obtenu deux soumissions à la suite de sa demande de prix, puis attendu que l'entreprise 93-86-0120 Québec Incorporé ou Géant du conteneur a déposé le 31 janvier 2022 la soumission la plus basse au montant de 44 409,9 taxes incluses, laquelle répond aux exigences de la MRC, tandis que les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance de la soumission déposée et du contrat à intervenir et s'en déclarent satisfaits. Je propose d'octroyer en fait le contrat pour des services de collecte de transport et de traitement par compostage des résidus verts de l'éco-centre régional de la MRC de la vallée du Richelieu, situé à Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2022, à l'entreprise Le Géant du conteneur, selon la soumission déposée le 31 janvier 2022 au montant de 44 409,9 taxes incluses. D'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer au nom de la MRC de la vallée du Richelieu tout contrat et document utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Gertin. Donc, M. Bousquet appuie. Parfait. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 10.2.2, compensation financière à la ville de Carignan pour le maintien de certains services en gestion de matières résiduelles, protocole d'entente.
Monsieur Marquez, est-ce que je demande votre collaboration pour ce point? Oui, oui j'explique ce qu'il y en est. Donc, la ville de Carignan offre à ses citoyens un service de collecte de matières résiduelles. Et puis, on a une entente de service avec Conteneurs aux villes qui se situe à Chambly. Donc, compte tenu que la ville de Carignan, on est partenaire des centres régionales et que présentement, il y avait été convenu dès le départ qu'il y aurait un poste satellite, un écocentre satellite dans la partie sud, ce qui n'est pas encore fait. Donc, la ville de Carignan demande une compensation afin de maintenir le même niveau de service à ses citoyens de Carignan. Donc, je fais la lecture de la résolution. Donc, attendu que la MRC Vallée-du-Richelieu est dotée d'un écocentre régional sur Mont-Saint-Hilaire, attendu que la ville de Carignan participe au financement de l'écocentre régional, attendu que la MRC Vert planifie l'aménagement d'un écocentre satellite de la partie sud de son territoire, attendu que compte tenu de la distance entre l'écocentre régional et la MRC située à Mont-Saint-Hilaire et la ville de Carignan, cette dernière souhaite maintenir certains services de collecte pour ses citoyens d'ici à ce qu'un écocentre satellite leur soit accessible, attendu qu'à cet égard, la ville de Carignan souhaite obtenir une compensation financière de la MRC VR pour le maintien de ses services et que la MRC VR convient d'accorder pour celle-ci et ce, pour l'année 2022, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 67 500, attendu que la MRC vers la ville de Carignan convienne de mettre par écrit sous forme de protocole d'entente les modalités et conditions relatives à la compensation financière demandée et accordée, attendu que les membres du conseil de la MRC vers ont pris connaissance du protocole d'entente intervenir et s'en déclarent satisfaits. Donc, je propose d'accorder pour l'année 2022 une compensation financière à la ville de Carignan jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 65 500 pour le maintien de certains services en gestion de matières résiduelles, d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la MRC et la ville de Carignan, tel que déposé et autorisé Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale, a signé pour et au nom de la MRC, la ville de Richelieu, le protocole d'entente. Merci, M. Marquez. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur, M. Marquez? Je l'appuie. M. Dulac, merci. Donc, nous poursuivons au point 10.2.3. C'est pour la mise en place de l'infrastructure et fourniture de services Internet, octroi d'un contrat de gré à gré. Donc, je vais demander à nouveau la collaboration de M. Guertin. Bonjour. Donc, le titre est assez explicite. Hein? C'est pour permettre un branchement Internet au nouvel éco-centre de la vallée du Richelieu. Donc, on s'est attendu que la MRC a un éco-centre qui est situé à Mont-Saint-Hilaire, attendu que ben, les activités ont commencé le 6 novembre 2021, attendu que la MRC souhaite disposer ben, de services Internet hein, pour réaliser les activités de l'éco-centre. Attendu aussi que, la MRC a effectué des démarches auprès notamment de Vidéotron Limité, puisqu'elle est déjà associée à ce fournisseur pour la fourniture de services Internet à son siège social et qu'elle est la seule entreprise qui a accepté de mettre en place ces dites infrastructures pour l'Internet. Attendu que ce fournisseur pourra assurer les services par la suite pour une période de 60 mois. Le tout conformément aux dispositions relatives à l'octroi d'un contrat de gré à gré prévu au règlement 82-19 relatif à la gestion contractuelle de la MRC de la vallée du Richelieu et au Code municipal du Québec, attendu que le règlement numéro 66-16 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la MRC prévoit à son article 4.2 que lorsqu'un contrat ou un engagement de dépenses s'étend au-delà de l'exercice financier courant, le tout doit être soumis à l'approbation du Conseil. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat à Vidéotron Limité étant l'unique entreprise ayant soumis un prix pour un montant de 11 037,55 $, taxes incluses, pour l'installation des infrastructures incluant le raccordement au bâtiment principal. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat à Vidéotron pour la fourniture de services Internet pour une période de 60 mois suivant la signature du contrat pour un montant total de 5 515,80 $ ou si vous voulez 91,93 $ mensuellement, taxes incluses, tandis que les membres du conseil de la MRC de la vallée du Richelieu ont pris connaissance du contrat à intervenir et s'en déclarent satisfaits. Bien, je propose qu'on octroie le contrat pour l'installation des infrastructures pour la fourniture de services Internet et conséquemment les services mensuels pour le site
de l'éco-centre régional de la MRC de la vallée du Richelieu, situé au 60 rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire, à Vidéotron Limité au montant soumis de 11 037,55 pour les infrastructures taxes incluses et au montant soumis de 5 515,80 taxes incluses pour la fourniture du service Internet pour une période de 60 mois suivant la signature du contrat. Également de désigner Mme Diane Godette, directrice du service des ressources financières et matérielles et greffière trésorière adjointe à titre de personne autorisée et mandatée par le titulaire du compte pour effectuer des changements au service de communication chez Vidéotron Limité et d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le contrat ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin. Merci beaucoup, M. Guertin. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur, M. Guertin? Madame Villeneuve, merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. On poursuit au point 10.3, cours d'eau, travaux d'entretien de la branche 28 du cours d'eau Ruisseau à l'Ours, situé à Saint-Jean-Baptiste, adjudication et octroi du contrat. Donc, le 4 décembre 2019, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a fait parvenir une demande à la MRC de la vallée du Richelieu afin de procéder à l'entretien de la branche 28 du cours d'eau Ruisseau à l'Ours, localisée sur son territoire et dont une portion du bassin versant est située sur le territoire de la MRC des Mascoutins. La MRC, par l'adoption de sa résolution numéro 20-10-408, a donné le mandat à Groupe Planétaire incorporé à titre de consultant d'amorcer les démarches relatives à l'entretien de cette branche. Une entente relative à la gestion de certains travaux de cours d'eau a été signée avec la MRC des Mascoutins, ma voisine, et en vertu de cette entente, la MRC des Mascoutins a confié à la MRC de la Vallée du Richelieu la responsabilité de la gestion des travaux d'entretien ou d'aménagement requis dans la branche 28 du ruisseau d'eau, ruisseau à l'Ours, situé à Saint-Jean-Baptiste. Donc, le 19 janvier 2022, la MRC de la Vallée du Richelieu a procédé au lancement d'un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec afin d'obtenir des soumissions pour les travaux d'entretien de cette branche. Donc, nous sommes conformément au Code municipal du Québec. Pour l'octroi de contrats, entre autres, on est aussi soumis au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle de la MRC. Donc, l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 7 février 2022 au bureau de la MRC et que 5 soumissions ont été reçues. Donc, les contrats établis, dans le fond, le contrat établi est celui du plus bas soumissionnaire, comme toujours, et qui soit conforme. Et à la suite de l'analyse effectuée, la soumission conforme au document d'appel d'offres au montant le plus bas est celle d'excavation et construction Gélina, incorporé au montant de 88 861,30 sous avec les taxes incluses. Donc, il y a lieu de prendre le dernier soumissionnaire, qui est le plus bas soumissionnaire, entre autres. Donc, si vous êtes en accord, les membres du conseil, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vous le propose, Madame la préfète. Merci, M. Teasdale. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Mme Viau. Merci. Donc, il y a lieu aussi d'autoriser moi-même, Marilyn Nadeau, préfète, ainsi que Mme Davignon, directrice générale et greffette trésorière, à signer pour et au nom de la MRC. Merci. Donc, nous poursuivons toujours notre présente séance au point 13, 13.1, embauche d'une coordonnatrice en développement économique. Donc, les démarches ont été entreprises pour recruter justement une coordonnatrice du développement économique. Les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Lynn Choquette. Donc, on a eu la recommandation d'un comité de sélection qui était composé de Mme Catherine Brunel, conseillère ressources humaines, Mme Anne-Marie Granger-Godbout, directrice du service de développement agricole, culturel, économique, social et touristique, sont favorables à cette candidature. Si vous l'acceptez, les membres du conseil, Mme Lynn Choquette sera embauchée à partir du 11 avril et puis elle deviendrait justement notre coordonnatrice du développement économique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer, Mme la présidente. Merci, M. Lessard. Je vais l'appuyer. Parfait.
Je vous remercie, Madame l'Abbé. Donc, c'est résolu à l'unanimité. On poursuit avec le point 13.2. C'est pour l'embauche d'une agente d'aide aux entreprises ou agent. Donc, c'est un agent d'aide aux entreprises à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, il y a eu des démarches de recrutement et les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de monsieur, donc Gabriel Parent-Vigneault. Donc, c'est suite à des recommandations du comité de sélection qui était composé de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, Mme Anne-Marie Granger-Godbout, directrice des services du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, ainsi que M. Marc-Antoine Côté, conseiller aux entreprises, sont favorables à la candidature de M. Gabriel Parent-Vigneault. Il sera embauché à compter du 4 avril prochain. Donc, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, je vois des mains. Je vois Mme Vigneault et Mme Villeneuve. C'est bon. Donc, Mme Vigneault et Villeneuve. Nous poursuivons avec le point 13.3. C'est pour l'embauche d'une secrétaire ou un secrétaire soutien au service. Donc, il y a eu des démarches de recrutement de la part de la MRC et les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Marie-France Marcille. Et le comité de sélection était composé de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, Mme Joanne Desmarais, secrétaire et adjointe de direction, ainsi que M. Denis Laplante, directeur du service du développement durable, sont favorables à la candidature de Mme Marie-France Marcille. Et si vous êtes d'accord, les membres du conseil, elle sera embauchée à compter du 28 février 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oui, M. Bradley! C'est ça? De votre voix, j'étais moins familière. Oui, M. Bradley, ainsi que M. Chalifou en même temps. Parfait. Donc, M. Bradley, M. Chalifou, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 14. Non, au point 13.4. Hey, j'ai failli, hein? Merci, monsieur le préfet suppléant. Je fais ça de temps en temps, savoir si vous me suivez. Donc, c'est pour la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, service du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, pour l'employé numéro 1286. Donc, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation de 6 mois. Donc, nous sommes rendus à la fin de cette fin de probation. Et c'est Mme Sabrina Brochu qui avait été embauchée le 9 août 2021. Et puis, Mme Brochu a été rencontrée, elle a rempli entièrement les conditions de l'emploi. Donc, suite à la recommandation justement de Mme Brochu, il y a lieu de confirmer son emploi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Marquez et Mme Vigneault, merci. Ça va toujours par où vous êtes sur l'écran, hein? Donc, nous poursuivons là pour de vrai, là. Hein, Normand, je suis rendue à 14. Demande d'appui, 14.1. Donc, c'est pour la MRC Brunswick, financement de la recherche sur la maladie de Lyme au Québec. Et je vais demander la collaboration de M. Guertin pour cette demande d'appui. Merci, Mme la préfète. C'est très important pour moi, en fait, cette offre d'appui-là, puisqu'il y a de plus en plus de nos concitoyennes et concitoyens qui sont affligés par la maladie de Lyme. Donc, la proposition, en fait, d'appui ou la résolution d'appui, finalement, se lit comme suit. Considérant que la maladie de Lyme se transmet à la population par la piqûre de tique infectée, considérant que les impacts de la maladie sur la santé des personnes qui la contractent peuvent être très importants, considérant que les tiques infectées sont maintenant présentes dans 11 régions administratives au Québec, selon l'Institut national de santé publique, et à cet égard-là, la Montérégie ne fait pas exception, considérant que des projets de recherche sont en cours pour réduire les incidences de la maladie de Lyme et que les équipes de recherche requièrent du financement du milieu municipal à cause du manque d'appui des réseaux publics, de la santé et des services sociaux, considérant que la MRC Beaumont-Missisquoi et la ville de Beaumont vivent
cette situation aberrante, considérant que la prévention en santé publique est sous-financée au Québec. Alors, en conséquence, il est proposé par... je propose de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Christian Dubé, que le financement de la santé publique et particulièrement pour la recherche sur la prévention de la maladie de Lyme soit augmenté afin que le ministère puisse soutenir adéquatement les besoins de recherche qui actuellement doivent être assumés par le milieu municipal, de transmettre également une copie de la présente résolution à la ministre et députée de Bromiscois, Mme Isabelle Charrette, à la Fédération québécoise des municipalités, puis à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'au MRC du Québec pour appui. Alors... Donc, vous faites la proposition, est-ce que j'ai l'appui? Oui, l'appui. Donc, je me suis... Je vous remercie pour votre collaboration. Donc, nous sommes rendus à divers. Donc, je vais prendre quelques instants. En fait, nous avons eu une bonne nouvelle à la MRC, pas plus tôt qu'aujourd'hui. Donc, cette semaine, le jury du mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec annonçait que le projet MAC urbain de la MRC Vallée-du-Richelieu a été retenu parmi les 26 projets finalistes. Des prix seront remis aux lauréats dans 8 catégories, dont le MAC Rurbain, une initiative numérique pour mettre en valeur la région de la Vallée du Richelieu, qui figure dans la catégorie culture, patrimoine, loisirs et tourisme, avec 3 autres projets finalistes. Et chacun des projets a été évalué par un jury indépendant. Donc, je sais que c'est une nomination pour le MAC Rurbain, mais nous en sommes très fiers et je me joins avec tous mes collègues ici autour de l'écran pour vous féliciter pour cette nomination. Nous sommes très fiers de l'équipe de la MRC. Puis nous attendons vraiment, c'est le 13 mai prochain pour aller chercher le prix. Donc, bravo, félicitations à l'équipe. Merci. Nous sommes rendus au point 16, intervention de l'assistance. Donc, Maître Amel, est-ce que nous avons reçu des questions? Oui, nous avons reçu quelques-unes. Donc, je vais débuter par la première qui provient de Mme France Pellerin de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Donc, la question se lit comme suit. L'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire a déposé, certes symboliquement, une demande de statut particulier pour la zone A16 située au piémont de la montagne le long du chemin menant à la réserve naturelle Gault le 17 février dernier. Cette demande est factuelle et appuyée de nombreuses études crédibles. Cette zone tampon immédiate à la réserve de la biosphère reconnue par l'UNESCO constitue un joyau à protéger car elle a une valeur écologique importante, abrite de nombreuses espèces de la faune et la flore à statut. Son paysage et ses caractéristiques patrimoniales sont emblématiques. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de soustraire un territoire d'intérêt à la densification. Le PMAD le mentionne et il est techniquement possible pour la MRC de modifier son schéma d'aménagement révisé dans les délais. Sans ce statut particulier, il n'est pas possible de protéger les bandes riveraines du cours d'eau traversant la zone et ses milieux humides au-delà de 10 mètres sans affecter toute la ville, ni de réduire le développement prévu sans redistribution. Accepteriez-vous de faire des représentations auprès de notre maire Gertin, élu sur un discours fortement environnementaliste, afin d'utiliser les éléments prévus dans la loi et d'être le dernier bastion menant à la protection de cette zone sensible, Madame la maire Snado? Je vous remercie. Donc, la question provenait de Madame Pellerin. C'est bien ça. Donc, merci, Mme Pellerin. Donc, écoutez, c'est une question encore à développement. Je ne sais pas si vous étiez là au début de la rencontre, mais je vais juste répéter les mots. En fait, la MRC doit se prononcer sur des demandes des municipalités et des villes et on se prononce la conformité au schéma. Donc, moi, je m'en tiens toujours au même discours, Mme Pellerin. Donc, et voilà, c'est comme ça que la MRC doit fonctionner. On a chacun nos responsabilités. Merci. L'autre question, Maître Amel? Oui, l'autre question provient de M. André Perron, citoyen de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Il y a 4 questions. Est-ce que vous voulez que je les donne une à la fois ou comment vous préférez?
Oui, c'est dans la foi. Amen. Parfait. Oui. Donc, pour la première, de quelle façon allez-vous contribuer, vous et les autres mères, à la protection des derniers éléments de nature, comme les boisés, le dernier verger sur Ozias, le duc du Piémont de Mont-Saint-Hilaire, qui se retrouve dans votre MRC, considérant tous les développements qui sont prévus dans vos municipalités, soit les milliers de portes à Audubon Park, les 5000 portes prévues à McMasterville et les milliers dans les autres villes? Voici la première question. Donc, si je comprends bien la question, c'est M. Perron, merci. Donc, pour nous, la protection se fait à travers nos outils de planification et ceux à l'échelle locale. Donc, c'est qu'est-ce que je peux vous répondre à votre première question. Deuxième, Maître Amel, s'il vous plaît. Oui. Comment avez-vous prévu régler les problèmes de circulation des automobiles déjà énormes pour les citoyens de la MRC et en particulier de Mont-Saint-Hilaire, qui est une ville enclavée entre montagnes et rivières? D'accord, M. Perron. En fait, il y a des efforts en lien avec EXO et le ministère des Transports qui se poursuivent pour encourager justement les modes de transport alternatifs. Donc, c'est qu'est-ce que je peux vous répondre avec cette question. Donc, nous sommes rendus à la troisième, c'est bien ça, Maître Amel? Oui. Est-ce que les infrastructures sanitaires et du traitement des eaux devront être révisées en conséquence, donc reliées à la première question? Je ne peux me prononcer sur le réseau des autres, mais chaque municipalité gère ces infrastructures-là adéquatement. Parfait. Et la dernière, le dernier volet, en fait. Croyez-vous que vous informez suffisamment vos citoyens quant à l'augmentation de la densité de population qui est à prévoir dans notre MRC? En fait, M. Perron, nous croyons que les citoyens sont bien informés de la densification et qui est nécessaire aussi suite à l'adoption du PMAT. Donc, c'est qu'est-ce que je peux vous répondre là, pour votre dernière question. Donc, je vous remercie, M. Perron. Est-ce que nous avons une autre question, Maître Amel? Oui. La question provient de M. Louis-Georges Cournoyer, citoyen de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, ça va comme suit. L'article 1.8.3 du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC avait été prévu pour protéger la zone A16 de Mont-Saint-Hilaire. Allez-vous la mettre en application? Ça, c'est un premier volet de la question. Est-ce que vous voulez répondre à ça en premier lieu? Est-ce que les autres sont similaires, Maître Amel? Oui, c'est relié. D'accord, bien, faites la lecture au complet de la question, puis je vais. Vous êtes-vous informé des délais réels nécessaires à l'adoption d'un statut particulier si celui-ci était demandé tel que stipulé par la MRC qui a soumis les différentes étapes nécessaires à une telle demande à la Cour d'appel et tel que le jugement de la Cour d'appel le mentionne? Et l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire ont déposé une telle demande de statut particulier pour la zone A16 la semaine dernière à la MRC. Si elle était déposée telle qu'elle par la ville de Mont-Saint-Hilaire, serait-elle recevable? Bon. Donc, si j'en comprends bien, bien merci, M. Cournoyer, pour votre question. En fait, nous avons chacune nos responsabilités. Donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, la MRC doit se prononcer sur une conformité du schéma d'aménagement. Et puis, les villes et municipalités doivent donner les projets de règlement. Donc, nous, on s'en tient à ça. C'est comme ça qu'on traite les demandes des villes et des municipalités. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai à vous répondre sur votre question. Est-ce que nous avons reçu d'autres questions, Maître Amel? Non, à l'heure actuelle, j'ai pas reçu. Ah oui, j'ai rafraîchi, là. Il y a un petit délai, là, je m'excuse. Donc, c'est bon, c'est ça, le direct. Oui, exactement. Donc, une question de M. Jean-Yves Héroux. Je ne sais pas de quelle municipalité c'est pas indiqué. Donc, le PMAD prévoit une gestion régionale de la densité. Qu'attend la MRC pour se conformer au PMAD? D'accord. Je pense que qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est M. Héroux. D'accord. Oui, ben, Héroux. Merci, M. Héroux, je n'étais pas certaine. Donc, tout ce qui est relié au PMAD, vous savez que c'est les villes et municipalités qui doivent se conformer. Donc, c'est par la suite que la MRC adopte son schéma d'aménagement qui est conforme. Donc, j'espère que ça répond bien, M. Héroux. Je vous remercie. Avons-nous eu d'autres
Question, Maître Amel? Non, là, je rafraîchis encore une fois et juste attendre un petit 15 secondes peut-être. Oh, on n'est pas à la minute près. Et non, là, j'en ai pas reçu d'autres après avoir rafraîchi de nouveau. Je vous remercie, Maître Amel. Je vous remercie, Madame Davignon. Je remercie mes collègues. Oh, je m'excuse. Okay, Donc, c'est M. Cournoyer, dans le fond, suite aux réponses, j'imagine, données. Donc, il y a des questions complémentaires. Donc, oui, une question complémentaire. Pouvez-vous questionner votre service d'aménagement quant au délai une fois une demande de statut particulier reçue? C'est la question. Donc, il n'est pas ici présent ce soir, donc nous allons pouvoir vous répondre une prochaine fois. Merci, M. Cournoyer. Je dirais que là, c'est ça. Donc, j'étais en train de faire mes salutations. Donc, merci beaucoup à vous tous à la maison, en ligne, et puis mes collègues ici à l'écran. Je vous remercie, Mme Davignon, Maître Amel. Donc, pour clôturer. Oui, pour clôturer, j'ai besoin de Mme Labbé. Voilà. Est-ce que j'ai un appuyant? Je l'appuie. Monsieur Dulac, je vais vous remercier. Donc, bonne soirée à tous.